Salut à tous! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo salée avec la recette de la pâte à pizza maison. Petit tour en Italie! C'est parti pour les ingrédients! Pour réaliser votre pâte à pizza, il vous faudra 6 g de levure fraîche de boulanger, 100 ml d'eau, 200 g de farine, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, du basilic ou de l'origan séché. Alors vous verrez, c'est pas une recette compliquée. En plus, aujourd'hui, on s'est séparé de notre robot pâtissier et on va tout faire à la main. Allez, Enzo, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on va commencer par mettre la farine, l'huile d'olive. La levure. Et puis l'eau. Oula, c'est bon. Donc là, on est parti, on va mélanger à la main. Donc là, on aplatit la pâte comme ça à la main. Et voilà, ça forme une belle boule. Nos boules sont formées. Enzo farine l'assiette qu'on va recouvrir de papier sulfurisé. On va positionner nos boules dessus. Et on va les mettre à lever dans un endroit chaud pendant entre 30 et 45 minutes. Donc là, on va mettre le four en position pizza à 220 degrés. Et voilà nos pâtes qui ont levé pendant au moins 45 minutes dans un endroit chaud. Regardez-moi comment ça a bien gonflé. Bon allez, maintenant on va l'étaler. Allez, Enzo. Prends le rouleau. On est parti pour étaler. On va remettre un peu de farine. Je sais pas quoi mettre dessus. Doucement la crème fraîche. Oui. Comment t'as dit ça? Doucement, allez, voilà. Doucement. Voilà. C'est vachement bien. Voilà. Bon. Surveillant. Attends. Tu mets tout au surveillant? Ah non, elle a dit non. De quoi? Tada. Maintenant que nos assistantes pizza nous ont bien aidé à les préparer, on va les mettre au four à 220 degrés pendant 7 à 8 minutes. En surveillant la cuisson, bien sûr. Ah, par contre, ça sert bon. Donc là, on va sortir les pizzas. Donc là, elles sont bien cuites, on peut le voir, les bords ils sont bien colorés. La pâte croustille bien. Oh, regardez ça. Là, je pense qu'on est pas mal. El video est finito! J'espère que la vidéo vous a plu. On a réalisé de magnifiques pizzas avec une pâte maison. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Sinon, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Logique. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre page Instagram. Allez, salut! Salut les gourmands!